Et bonjour pour runningmag.fr, je me trouve au départ de l'Ultra Trail des Pyrénées à la sortie de Vieil-Or, 7h du matin. Là, c'est déjà les premiers. Allez, c'est bien ça. Allez, on va être en tête une fois. Ouais, c'est bien. Là, c'est le groupe ici derrière, 800 concurrents au départ. Le départ a été décalé à 7h du matin. Claude Esco. Décalé à cause de la météo capricieuse. Il paraît qu'il fait très froid là-haut. Avec du vent. Et sûrement le pic du midi ne sera pas escaladé cette année. Les organisateurs ont joué la sécurité. Allez, allez, allez. Tous les concurrents souriants pour l'instant. Après, ils partent tranquillotes. 160 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Une vraie aventure de folie, pour le dire. Benne de pays représentés. On a vu, il y avait des journalistes sud-africains, anglais, quelques français. C'est Xavier qui est en tête. Ah, c'est bien. Et là, les coureurs sortent de Vieil-Or pour attaquer tout de suite une première montée. Salut, salut Jackie. Une première montée de quasiment 13 km en passant par Escob jusqu'au col de Soulor. Ah, ça va, toi. Bon courage. Allez, allez. Allez, 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 pour énormément de monde pour cette petite parade des Pyrénées. Quatrième édition. Il y a de plus en plus de succès. À l'instar de l'UTMB qui se déroule. Salut, salut, allez! Qui se déroule au même moment dans les Alpes. Alors demain matin à 5h, ce sera le grand raid des Pyrénées avec autant de monde. On départ lui à 5h du mat. Ils annonçaient la météo à peu près normale avec un soleil, donc ça devrait partir à l'heure. Voilà, le peloton qui s'étale. On est à peu près à un petit kilomètre du départ. Et évidemment, on a des coureurs qui partent très lentement. C'est normal pour 160 km. Le premier devrait mettre dans les 24-25 heures et arriver à 7h du matin, 8h du matin demain. Et les derniers, ben, dimanche matin, c'est prévu. Délai de 60 heures. Voilà donc les tout derniers. On va monter au col pour faire des vues avec les sommets derrière. On se retrouve tout à l'heure.